Nous sommes pour la plupart considérés comme normal. Un mot qui blesse autant qu'il signifie peu. Car finalement, si nous sommes normal, pour un autre on est extraordinaire, et pour encore un autre on est faible. Cette semaine, des personnages normaux sont à l'affiche. Des hommes et des femmes qui semblent rentrer dans une case, se distinguer pourtant par une singularité, caractérielle ou physique, mais avant tout, ils semblent invisibles pour le tout à chacun, sauf pour le ou la cinéaste qui décide de porter un regard sur eux. Un regard qui les rendra extraordinaires, tout en les laissant presque s'enfermer dans leur normalité et dans le regard que portent les autres sur eux. Un regard qui tout de même les changera à jamais et en fera des héros de cinéma à part entière, bien au-delà de leur simple case prédestinée. Une case donc. Cette case terrible dans laquelle on semble absolument vouloir nous enfermer, mais que nous sommes peu, et heureusement d'ailleurs, à considérer comme douillette. Nous ne sommes pas voués à être des individus interchangeables. Nous ne sommes pas des pions qui rentrons dans un tiroir et que nous acceptons comme une fatalité obligatoire et nécessaire pour la société. Et donc, ces personnages ne deviennent jamais ainsi. Et en un sens, heureusement, pour notre plus grand plaisir de cinéphile. Ainsi, policiers, patineuses, femmes de ménage, groom ou encore hommes politiques, nous ne sommes pas les enfants d'une société fermée dans laquelle nous avons une place prédestinée. Nous sommes les rebelles d'un monde qui se doit de nous ouvrir les bras et de nous accueillir comme nous sommes, et non comme ce qu'on devrait être. Nous n'avons aucun compte à rendre à cette société, si ce n'est celui de la respecter et de chercher à la comprendre. Mais en aucun cas, nous devons nous plier à une nécessité qu'elle nous imposerait. Même si les destins de nos personnages ici présents sont voués à être des fatalités cinématographiques et tragiques pour certaines, il n'en reste pas moins ce sentiment que leur case est loin d'être claire, et qu'ainsi ils redéfinissent presque les bases de ce que nous sommes et de ce que nous serions si nous étions enfermés dans une case. Une case donc que nous briserions en mille morceaux, comme ils le font, pour à leur image, aller dans une direction qui nous ressemble et ainsi qui nous plaît, et nous permet de nous épanouir en tant qu'être humain et en tant qu'individu finalement. Nous ne sommes plus alors quelqu'un de normal au cœur d'une société normale. Nous sommes quelqu'un d'extraordinaire au cœur d'une société qui voudrait nous rendre normal.